commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche et à laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui on se retrouve sur Fortnite, alors aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer deux petites choses qui sont sorties. Donc tout avant, les collections, donc le numéro 17 est enfin sorti, donc c'est le mécano que vous allez trouver surtout du côté de Cathy Cornet, elle est vers Cathy Cornet au niveau du garage. Alors je sais pas si elle se déplace ou quoi, moi je l'ai trouvé là. Alors cherchez dans plusieurs garages, mais moi je l'ai trouvé à Cathy Cornet, donc allez à Cathy Cornet pour le trouver. Et pour le numéro qui est sorti, le numéro 50, donc Aurelia. Aurelia est clairement, qui se trouve en fait sur la petite île qui est juste ici, qui est juste là. Donc on va y aller, on va aller en Ford en Point, on va faire quelques petites games, je vais vous la présenter. Alors elle ne vous attaque pas sur le coup, mais vous allez voir, si vous la dérangez, elle peut vous attaquer. Donc c'est parti, donc petite game, donc je couperai mon micro. Et vous allez voir, on en parlera juste à la fin de la game, ce qui s'est produit et ce qui s'est passé. On va y aller en solo. Écoutez, on va faire une solo, ça va changer un peu. Alors je sais pas, je sais qu'en Ford Empire, elle attaque pas tout de suite, mais je sais pas comment elle réagit autrement. Je sais pas si elle est tout le temps là, je sais pas si voilà, mais je sais qu'en Ford Empire, vous la trouvez souvent. Donc c'est parti, je vous laisse en game et on se retrouve juste après. Thank you.
gens. Alors comme vous le voyez, donc j'ai battu, normalement c'est un peu compliqué, mais là j'ai failli, j'ai bien failli crever avec Arolia, donc je l'ai battu, et normalement il y a l'hélicoptère qui est juste ici, et comme vous le voyez il y avait un mur, j'ai pas pu le traverser, donc je pense que c'est un peu buggé. Alors j'espère pas que la game est buggée, parce que alors là je serais vraiment dégoûté. Donc bonne game que je commence, donc alors bon j'ai pas eu de joueurs à proprement parler, mais il reste 17 personnes. Donc on finit, je finis ma game et on se retrouve juste à la fin.
Ah, si, ça y est. J'espère que ça n'aura pas bugué trop. OBS a planté. J'espère que ça n'aura pas fait de bug au niveau de la vidéo. Alors, game plutôt pas mal. Donc, comme vous l'avez vu, au niveau des personnages, plutôt puissante. Pas mal de shield. Aurelia est clairement un bon boss. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis là. Clairement, c'était plutôt sympa comme game de kill. J'ai eu 2-3 bugs au niveau du jeu. J'aurais bien voulu faire top 1, mais bon, c'est pas trop grave. Non, bah, bonne game. Dommage qu'ils aient construit. Clairement, il s'est bien fait avoir. L'autre, il restait plus qu'un PV. Clairement, j'aurais pu le battre, mais voilà. L'autre campait par derrière pour attendre. Voilà. C'est un peu dommage ça, au niveau de ça. Maintenant, soit au début vous tombez sur des bots, en solo vous tombez sur des bots, il y a quoi, la moitié de la game c'est des bots. Et après vous tombez que sur des personnes et la plupart c'est soit des builders des maçons professionnels. Et après, ben voilà quoi, c'est dommage quoi, c'est vraiment dommage. Après, j'ai fait une bonne game, donc voilà. Merci encore, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche. Demain, live sur Twitch, il n'y a plus de live Discord, il n'y aura plus de live Discord, mais si vous voulez vous amuser à discuter ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Alors bien sûr, je referai des lives sur Discord, mais pour le moment, je vais surtout finir le jeu Resident Evil Village sur Twitch. Où je ferai des lives spéciales, vu que le jeudi je ne fais rien, parce qu'à part tourner ma vidéo comme aujourd'hui, je tourne ma vidéo pour demain. Peut-être que un jeudi sur deux, je ferai des lives Discord avec vous. Donc n'hésitez pas à aller sur mon Discord qui sera en lien de description. Et Memodo ou moi-même vous accueillera et vous deviendrez des dragons. Et des dragons suprêmes, parce que chaque jour, mon modo Boxy fait des mises à jour que je lui remercie. Clairement, j'ai plus besoin de faire quoi que ce soit pour mettre des commentaires ou quoi que ce soit. Directement, quand ma vidéo est posée, ça va directement sur le Discord. Et comme ça, vous êtes au courant. Merci encore, soyez et bonne soirée. Et à la prochaine, les gens, c'est Draxerby. Peace!